suis beatmaker nantais, performeur MPC. Le principe est de rejouer des instrus tout en éléments séparés, c'est-à-dire avec un élément sur chaque pad. Donc il n'y a pas de boucle et du coup de pouvoir jouer des notes de piano, des notes de basse et tout un kit de batterie avec des percussions, le tout en même temps. Donc on voit ce qui est déclenché et quel son est joué en même temps. Et du coup, bah, on peut très facilement faire le rapport techniquement du travail effectué. J'ai commencé il y a 4 ans sur MPC 2500. J'étais très fan de cet instrument-là. J'ai passé pas mal de temps dessus, malgré les modèles qui étaient sortis entre-temps, qui étaient plus USB directement, et ce qui m'a amené en fait sur la MPC Live, et qui est réellement un outil performant. C'est plus complet, c'est plus intuitif, il y a un écran tactile, donc il y a une certaine ergonomie qui est très appréciable. Toute personne qui a un minimum la notion du rythme, le sens du rythme, peut s'y retrouver très rapidement sur une MPC. Donc en fait, Veripad Trip est tout d'abord un EP qui sort le 5 mai. C'est une web-série du coup qui reprend les 6 titres studio de l'EP sous forme de performance MPC et donc en live avec une mise en scène particulière, donc une animation graphique qui réagit au rythme de la musique, vidéo projetée derrière moi sur écran géant qui a été fait par Moshi Design. Il y a également du coup Raphaël Barraud qui travaille sur tout le jeu de lumière, Kevin Charvaux qui s'occupe de la réalisation de cette web-série. C'est le premier d'une série dont je ne vais pas m'annoncer encore sur le nombre. Tout dépendra du retour que j'aurai, mais il est probable qu'une deuxième saison puisse voir le jour prochainement.